Merci à vous. Les autres thèmes de l'actualité avec d'abord ce que l'on pourrait appeler le courrier à grande vitesse. Depuis l'été dernier, toutes les lettres provenant de Dordogne, du Lot et Garonne et de Gironde sont traitées à Sestas près de Bordeaux dans un centre de tri ultra moderne et donc ultra rapide. L'idée étant de préparer l'ouverture du secteur à la concurrence. Visite guidée avec Jean-François Mekel et Michel Bouillet. Oubliez le centre de tri. Voici la plateforme industrielle courrier de Bordeaux-Sestas, la PIC qui remplace les centres de Bègle, Périgueux et Agen. Ici, la Poste a investi 55 millions d'euros dans 9 machines automatiques capables de trier 40 000 lettres à l'heure. C'est le prix de la modernisation de la Poste dans le cadre de la future concurrence européenne. La concurrence, c'est le 1er janvier 2011. À partir du 1er janvier 2011, c'est la libéralisation totale sur tous les flux du courrier, pratiquement dans toute l'Europe. Donc la Poste française se prépare depuis 2004 à cette échéance avec un projet qui s'appelle Cap Qualité Courrier, qui dure donc 6-7 ans avec 3,5 milliards d'euros d'investissement. Et la plateforme industrielle de Sestas s'inscrit dans ce projet. 440 personnes travaillent ici par roulement 6 jours et demi sur 7 et 24 heures sur 24. Et sur les 1300 salariés de la Poste concernés par cette restructuration, près de 500 ont quitté le tri, la moitié en reconversion, les autres partis à la retraite. Ici, la productivité a doublé de 3000 objets triés par personne et par jour. On est passé à 6000. Notre indicateur phare, c'est la qualité de service à J+1. Combien on est capable sur tout le territoire de distribuer de lettres dès le lendemain. Et l'objectif, c'est 90%. L'objectif, c'est 90%. Aujourd'hui, on est quasiment à 84% en 2009. Et c'est presque 8 points de plus qu'en 2004. Donc on est sur la bonne voie. La PIC va alimenter sur les 3 départements 9 plateformes de préparation et de distribution qui desservent à leur tour 150 plateformes de distribution. Au bout enfin, 2400 facteurs. Une chose ne changera pas, 17h, l'heure de la levée du courrier. Cette information à Pau, une enquête judiciaire.